L'ambiance était particulièrement tendue hier soir sur le plateau d'On n'est pas couché. Un violent clash s'est produit entre Christine Angot et une invitée, l'élue écologiste Sandrine Rousseau. Être invitée dans l'émission On n'est pas couché n'est pas toujours une partie de plaisir. Sandrine Rousseau en sait désormais quelque chose, et se souviendra sûrement longtemps de son passage sur le plateau de Laurent Ruquier. Invitée pour faire la promo de son livre Parlé, dans lequel elle revient sur l'agression sexuelle, dont elle aurait été victime de la part de Denis Baupin, elle a été violemment prise à partie par Christine Angot. L'élu écologiste avait déjà plus ou moins raconté la scène vendredi matin sur RTL. Il s'est passé un violent clash, une violente altercation avec Christine Angot sur le plateau, parce que la parole, c'est quelque chose de compliqué. Le tournage a même dû être interrompu, car la romancière a fini par quitter le plateau en balançant rageux, se mant au passage ses feuilles et son verre et en hurlant. Après s'être réfugiée dans sa loge une bonne vingtaine de minutes, elle a retrouvé son siège et l'émission a pu reprendre. Si la grosse colère de Christine Angot a été coupée au montage, les téléspectateurs ont pu voir l'échange tendu entre les deux femmes. La nouvelle chroniqueuse de Laurent Ruquier, qui a été elle-même victime d'agressions sexuelles par son père, s'est emportée face aux propos de l'ex-porte-parole d'Europe Écologie, Les Verts. Elle a totalement perdu son sang-froid lorsque cette dernière a évoqué les personnes formées pour accueillir la parole. C'était la phrase de trop. Christine Angot a alors élevé la voix. « Moi je ne peux pas entendre des choses pareilles », a-t-elle dit avant de menacer de retourner dans sa loge. Le ton est monté, et Sandrine Rousseau, qui tentait de s'expliquer, a elle aussi perdu le contrôle. C'est avec les larmes aux yeux et de tremulos, dans la voix qu'elle a répondu aux questions de Laurent Ruquier. Et l'intervendredition de Yang Moi n'a pas apaisé le climat, l'élu écologiste a fini en pleurs.